Bonsoir et bienvenue au Stade de France pour la retransmission en direct du Requiem de Verdi, devenu par la magie des effets spéciaux un opéra céleste. Quelques mots pour commencer sur ce chef-d'œuvre de la musique sacrée. Cette messe de Requiem fut composée par Verdi pour célébrer l'anniversaire du poète et romancier italien Alessandro Manzoni, décédé un an plus tôt. La création du Requiem eut donc lieu à l'église San Marco de Milan en 1874. Pour comprendre la portée de cette création, qui fut aussi un grand événement populaire, il faut se rappeler que 5 ans auparavant, l'Italie tout entière avait été endeuillée par la mort de Rossini. Verdi avait voulu honorer et rendre hommage à ce grand compositeur italien qu'il considérait aussi comme un père spirituel, avec un projet d'une ampleur inouïe. Il sollicita le concours des plus grands compositeurs italiens pour écrire une messe de Requiem à la mémoire de Rossini. L'œuvre fut effectivement composée et achevée en temps et heure, mais elle ne fut jamais jouée, pour des raisons administratives aussi injustifiables qu'absurdes. Verdi avait composé pour cette messe de Requiem le Liberame, et c'est à partir de ce Liberame qu'il composera le Requiem pour Alessandro Manzoni. Après avoir été créé à l'église San Marco, le Requiem de Verdi allait triompher dans les théâtres, à la Scala de Milan tout d'abord et puis à Paris à l'Opéra Comique. 2 mois plus tard, rien à voir bien sûr avec le gigantesque Stade de France où il sera donné ce soir. Notons tout de même que Verdi dirigera lui-même une version monumentale de son Requiem pour la première britannique où il bénéficiera d'un effectif impressionnant de 150 instrumentistes et 1200 choristes. Préparez-vous maintenant à un splendide voyage interstellaire avec ce Requiem de Verdi dirigé par Jean-Claude Casadesus à la tête de l'Orchestre National de France.
stupebit, or stupebit et natura, cum resurge creatura, judicanti responsora. Mors. Mors.
ingemis quotam quam reus culpa rubet altus meus supplicanti cor cedeus. Et acris quo
Oh,
Thank you.
Thank you.
Domine de morte eterna, in die illa tre.